Certains auteurs mettent parfois du temps à trouver leur voix, mais quand c'est le cas, ils essayent de s'y accrocher le plus possible afin de réfléchir sur la condition humaine et sur les principes de survie fondamentaux de l'être humain. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui cherche avant tout à parler de l'être humain dans sa survie la plus primaire, qu'elle soit mentale, physique ou même évasive. Angelina Jolie Pitt, puisque c'est ainsi que l'on doit la nommer aujourd'hui, est une réalisatrice américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 33 ans. À l'origine actrice, comme beaucoup la connaissent ainsi, elle se penchera sur la réalisation par le biais de ses engagements politiques et humains pour explorer des parcours marginaux et uniques qui ont inspiré son combat et qui la font avancer dans notre monde. Jolie Pitt a peu de longs métrages à son actif en tant que metteur en scène, mais ils sont tous guidés par un sujet, celui de la survie donc, celle d'un être humain face à un environnement qui ne veut pas de lui ou d'elle. Ainsi, en composant ses longs métrages comme un test pour l'humanité, Jolie Pitt cherche à jouer avec les émotions du spectateur. En abordant ainsi la peur de la mort et l'idée même que ses personnages sont prêts à mourir pour leur cause, Angelina Jolie Pitt veut faire réfléchir le spectateur par rapport à son ambition en tant qu'être humain. L'ambition d'un homme doit-elle forcément briser ou amoindrir la vie d'un autre? Là est toute la question et la réflexion de cinéaste de la réalisatrice, qui cherche ainsi à questionner la place de l'émotion, là où celle-ci semble vouloir disparaître. Elle est également très engagée par rapport aux droits des femmes, et c'est même ce qui l'a amenée à réaliser son premier sujet. On peut alors voir dans le cinéma de Jolie Pitt une réflexion autour de la place de la femme, dans un univers où l'on a tendance à dire « il » plutôt que « elle » ou même « eux », et c'est là que son cinéma trouve un sens profond et émouvant. Son cinéma est noyé dans l'être humain et ses tourments, l'être humain dans ce qu'il a de plus sincère et de plus destructeur également, et qu'il y a-t-il de plus destructeur que le rabaissement d'une femme face à un homme? Ce n'est pas uniquement cela qui fascine Jolie Pitt, mais c'est une idée qui la tourmente, et dont elle semble vouloir user dans son cinéma comme d'un exutoire pour affronter le monde et ses terreurs les plus abominables. Jolie Pitt est une grande sentimentale, comme on a pu le voir dans sa vraie vie d'ailleurs, et son cinéma est dans la même veine. Terriblement sentimentale, et surtout, terriblement émotionnelle. Terriblement car cela semble être par crainte de ce que l'humanité pourrait se faire endurer à elle-même qu'Angelina Jolie Pitt s'adresse à nous au travers de ses films. Noir et violent, macabre et intense, mais également plein d'espoir et de lumière au cœur des plus sombres instants de l'humanité, Jolie Pitt cherche à livrer au spectateur un espoir profondément touchant au cœur de ses films. Certes, ceux-ci ne mettent pas tout le monde d'accord, mais les longs métrages de la réalisatrice dégagent ce petit quelque chose qui rend sensible, qui touche, bref, tout simplement, qui redonne espoir en l'humanité. Plonger dans le cinéma d'Angelina Jolie Pitt, c'est tenter de reprendre goût à l'idée même d'humanité, d'unité, de tendresse et d'espoir quant à notre avenir. Son cinéma est loin d'être parfait et cherche encore à pousser plus loin ses possibilités, mais l'idée est là et le geste présent au cœur de ses œuvres.